Donc on s'est aussi aperçu que la biodiversité était vraiment l'objet le plus central, et notamment la protection des terres fertiles dans nos actions. Il y a une grande disparité en fonction des communes que nous avons autour de nous, car nos producteurs dans le réseau, spécifiquement pour les producteurs de légumes, tous les maraîchers, ont parfois beaucoup de mal à accéder à des nouvelles terres lorsqu'ils ne sont pas issus du monde agricole. Nos actions ont été au sein du conseil d'administration d'aller voir physiquement les élus de chaque ville, de chacun de nos producteurs, pour leur montrer, pour leur expliquer qui nous sommes, quelles sont nos actions, leur parler bien avant les périodes de Covid d'accessibilité alimentaire. Certains étaient extrêmement sensibles à ces actions. D'autres voyaient cette chose d'un air peut-être un petit peu étonné, tout simplement parce que beaucoup d'élus n'avaient pas forcément eu cette réflexion-là. Je pense que c'est quelques petites graines qui ont fini par germer, qui ont fini même par éclore après la période du Covid. Ces actions-là ont forcément motivé certains agriculteurs à se lancer. La métropole de Marseille s'est aperçue, ainsi que la ville, qu'il y avait des terres fertiles, des terres qui étaient encore d'anciennes campagnes et qui n'étaient pas encore urbanisées. Donc des lieux de vie extrêmement propices et extrêmement vivants. Ces chantiers-là nous ont aussi motivés à nous mettre en réseau avec des producteurs de semences paysannes. Parce que la réflexion, évidemment, c'est l'indépendance, la souveraineté alimentaire. Notre réflexion en tant que producteur, c'est de se dire que nous sommes aussi consommateurs, consommateurs de semences et consommateurs de plein d'intrants. Et je pense que l'indépendance passe aussi par la capacité à reproduire nos graines. Et les chantiers sont multiples. Mais je pense que tout passe par ces interactions-là et par ces échanges aussi, et les idées que nous donnent nos consommateurs.